Alors, comme suite à la varicelle zonale, aujourd'hui nous allons étudier, toujours dans la maladie virale ou les infections virales, les oreillons. Alors, comme suite à la varicelle zonale, aujourd'hui nous allons étudier les oreillons. Alors, par définition, c'est quoi oreillon? Oreillon, c'est une infection virale qui se présente typiquement par une parotidite. Cela veut dire inflammation des glandes salivaires. Et en plus, il y a un syndrome grippal. C'est comme si vous avez la grippe au départ. Quel est l'agent pathogène? Le germe, souvent il est appelé virus ourlien. Mais je vais vous donner son nom ou son vrai nom. C'est un myxovirus parotidis, mais de divers sérotypes et de divers génotypes. Le réservoir, il est strictement humain. La clinique, vous voyez, transmission, incubation, période de contagion, contagiosité, ce qu'on appelle l'invasion, les symptômes et les complications. Nous commençons par la transmission. La transmission, elle est hautement contagieuse, c'est-à-dire très très contagieuse, par les voies aériennes ou voies aérogènes, par les sécrétions respiratoires, c'est-à-dire par la bouche ou le nez. L'incubation, elle dure entre 12 à 15 jours, 25 jours, pardon, 12 à 25 jours. La période de contagiosité ou la période d'invasion, elle est de 12 jours avant l'apparition des symptômes et de 5 jours après l'extinction des symptômes. Cela veut dire entre 5 à 9 jours. Les symptômes, ils sont asymptomatiques chez 30% des personnes atteintes. 70% sont symptomatiques. 30% vont faire un syndrome grippal. Et les 60 et 70, ils vont présenter une parotidite avec un syndrome grippal. Complications. Alors, ils disent chez les non-vaccinés, il va y avoir une méningite qui est dite aseptique, ça veut dire en absence de germes. Encéphalite, orchite, surdité unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté, mais qui est permanente. Une pancréatite, c'est-à-dire inflammation du pancréas, et épididymo, orchite, unilatérale, bilatérale, je m'excuse. Bilatérale. Comment diagnostiquer cette maladie? À part, je dis bien les symptômes, n'oublions pas les symptômes, il y a des critères de laboratoire, ça veut dire qu'on va exactement isoler le virus ou faire la recherche des anticorps anti-ourliens, ça veut dire anti-virus des oreillons. L'immunité, ils disent l'immunité, elle est naturelle et à vie pour un seul génotype. Mais aussi, il y a une immunité post-vaccinale. Quand on vaccine une personne, elle peut avoir une bonne immunité. Comment prévenir cette maladie? Toujours appliquer les mesures d'hygiène générale. Et en plus, vous devez aussi appliquer les mesures d'hygiène générale spécifiques aux infections à transmission respiratoire. N'oublions pas aussi la vaccination. La conduite à tenir. Vous voyez que la plupart des maladies virales, leur traitement est symptomatique. On va traiter les symptômes. Vous devez faire autre chose. Vous devez appliquer les mesures d'hygiène générale et les mesures d'hygiène spécifiques aux infections à transmission respiratoire. Alors, quand vous toussez, vous devez tousser dans un mouchoir jetable. Quand vous éternuez, aussi avec un mouchoir jetable. Sinon,
au niveau du plis du coude. Se moucher régulièrement au moyen de mouchoirs en papier jetable. Vous devez vous assurer une bonne aération des locaux si vous avez un malade. Vous devez vous laver les mains fréquemment, surtout après le contact avec les sécrétions respiratoires d'une personne ayant les oreillons. L'isolement, il est de 5 jours à partir du début du symptôme. Une fois l'apparition des symptômes, ce qu'on appelle la parotidite et le syndrome grippal, vous devez isoler cette personne à partir du 5e jour. Merci.